もんだ。ラストは二択だ。よく考えて選びな。今死ぬか後で死ぬか、どっちがいい？チェンのフォン。3秒以内に答え。チェンクス。君。無駄よ。下手な真似しないで。Il est du vrai, tu reviens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer les aventures de Gon, Killua, Leorio et Kurapika. Écoutez les gars, cette émission elle est fantastique. On a tout juste enterré Uvo. Les gens m'ont dit dépêche-toi, tu vas arriver à l'arc des fourmis. Donc tout ce que j'entends maintenant, c'est l'arc des fourmis. On va y arriver, je vous promets. Mais pour l'instant, il faut donner de la puissance. Alors lâchez vos pouces bleus, lâchez vos commentaires. Et sans plus attendre, on y va. 3, 2, 1, allez, pop. Bien sûr. Allez, on y va. ネットでその情報を売るため高額の報酬を用意しようとしていた。マジで合ってるよ。ったくハンターライセンスを口入れして金を借りるなんて行かれてるじゃんこいつ。ねえ、まずはどうしたらいい？とりあえずサザンピースのカタログを買わねえとな。こちらが今年のサザンピースオークションのカタログになります。 J'aime bien l'ambiance, la musique et tout, ça fait un peu détective, un petit côté mystère. Après, je me disais que les araignées étaient trop chauds pour nos passages principaux, mais après ce que j'ai vu avec Uvo, je sais plus en fait, mais c'est pas Leorio qui va les arrêter, ça c'est moi qui vous le dis. Est-ce que les armes ont des pouvoirs dans cette émission? Un peu, ça dépend en fait. Tu dois ajouter ton propre nain, si je me rappelle bien, à une certaine arme. Donc, une arme en tant que telle, pas nécessairement, à moins qu'elle ait été faite par un conjureur, si je ne me trompe pas. C'est tellement intéressant ce truc de nain, je vous jure que ce système de pouvoir, il est vraiment... L'auteur s'est dépassé. Regarde ce mec. Pourquoi il lui manque de respect? C'est son prof. Demande-lui un peu de respect, mec. Il y a ça, Kiowa. Il y a trop le sens de l'aventure que j'adore dans les animés, donc tu vois Avatar, One Piece, je retrouve ça ici, donc on kiffe. C'est comment des escrocs ces gars-là? Il a le chara-design d'un personnage qui va être important. Mettez-moi dans les commentaires, ce personnage-là, il est chaud ou il est pas chaud? Je veux savoir. Ça se voit que l'auteur Togashi pense beaucoup. Wow, il est intense lui. Marketing 101.
voilà en Afrique. Mais là, il va demander sa part probablement. Ou pas. Zépil. Zépil. その中身のことを全く知らなかったのも打点がいく、うん、で、お前らなんでそんなに金が欲しいのよ。答えてもいいけど、交換だぜ。次は俺たちの質問に答えること。とても違うね。オークションである品を競り落としたいんだ。それで金がいる。めっちゃ respect ta amitié par contre。今度はこっちの場。こいつの親父を探してんだ。Le père de Gunn, il est parti acheter du lait, puis il n'est jamais revenu. La curiosité innocente. C'est un poète, le mec. L'innocente curiosité. Un araignée, là, ça repart. On a le samouraï et la meuf à Hisoka. Pas sa meuf, mais vous voyez. On dirait presque un clochard. Ils ont quoi avec la Heineken, les membres de la troupe? Ah, mais oui. Ils sont en deuil, évidemment. Il était plus que juste une brute. Les gars sont dépressifs, tu vois, ils se sont laissés aller, les joueurs ont poussé. C'est bien fait. Wow. On l'a enterré. Quand on y pense, les gars, est-ce que c'était un manque de respect de s'être fait enterrer par Kurapika ou est-ce que c'était une preuve de respect? Parce que vraiment, il y a débat. Moi, personnellement, je dirais que c'était une marque de respect. Mais, au revoir. C'est impossible. Waouh! Il a dit les termes. Il a dit les termes. Pourquoi est-ce que c'est le plus faible, le plus ambitieux? En plus, le père, il a l'air super balèze. On dirait presque un dieu. Ils sont calmes. De
chain user, j'aime bien son surnom. そんな時の暗黙の Est-ce que tu peux même le suer? Faut pas jouer. Oura. Le petit hacker. オークションは今夜から再開されるそうだ。場所も時間も同じだ。コミュニティにしてみれば相手が誰だろうが舐められるわけにはいかんのだ。ことで重労働は旅団の始末をプロに依頼した。俺たちマフィアにとって殺しとは威嚇の手段であって専門分野じゃない。ああいう連中は相手だ。専門家に任せ。あったな。お前離婚の経験なんてないよな。 キュロスさんプロフェッショナルオフェンス。マジ？バレずにか。うん。丸1日くらいくっついてたかな。ほう、やるじゃないか。あ、なんで殴んの？いや、なんとなく。手法移動してる。さすがにもう尾行してることはバレてるかも。だとすると、これは罠か。いや、絶対に位置までは悟られていない。Fuck around and find out. まだバレてなくて、アジトに戻るのかもしれない。だったらこの尾行は大成功。だが、鎖野郎は、サムライでは、ちょっと、ピピ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 
Natural Sword un petit peu plus difficile que Gun, mais on verra. Nanda, lasto wa nitaku da. Yoku kangaete erabi na. Ima shinu ka ato de shinu ka, docchi ga ii? C'est un enfant. C'est un gosse. Kimi. Mudayo. Etana mane shinai de. Wakatta wa. Ima iku. Boy. Otomodachi wa otonoshiku tsukamatta wa yo. J'ai commencé cette émission, jamais je me suis dit que Kiro aurait eu peur. De personne en fait. Le gars il me semblait. En fait, oui, il y a eu son frère, mais vous savez ce que je veux dire. Le gars me semblait genre, il a peur de rien, c'est un badass et tout. Donc, ce coup de pression de la part de la troupe fantôme. Waouh! Ils sont tous là! Alors très bel épisode, ça se voit que les choses vont bientôt dégénérer, mais pour l'instant, je ne saurais dire, je ne sais pas ce qui va se passer, il n'y a pas Hisoka, le boss il n'est pas là, et je pense qu'on n'a pas vu le hacker, là, lui qui est toujours sur les ordinateurs, donc honnêtement j'ai aucune idée de comment ils vont faire pour s'en sortir, disons que voilà, c'est les deux personnages principaux, donc j'ai pas trop peur pour eux, mais ça devient de plus en plus intéressant. On va continuer avec deux autres épisodes demain. Puis sinon, like, abonne-toi à la chaîne. Et puis je te dis à la prochaine. Allez, à plus.